Yo, c'est Nico, bienvenue sur ma chaîne. Alors après des mois d'attente, la série de caméras cachées arrive. J'ai tourné aujourd'hui ma première vidéo en tant que directeur casting. Vous allez vous fendre la poire. Bah ça va faire, je pense, 3 semaines, je suis séparé de Laura. Donnez-moi aussi des idées de prochaines caméras cachées. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Ça y est, on est bon, on est prêt. Showtime. J'ai vu ta vidéo, etc. Mes assistants me l'ont passé. Présente-toi un petit peu, quelques phrases, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc, je m'appelle Ilona, j'ai 21 ans, j'habite dans le 77. 77 ouais. À Meaux. Meux 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 Meaux. Comme les vaches. Ouais, on fait souvent la blague. Je suis en licence de langue étrangère. Dans le 77 aussi. Speak English? Yes. Hablo español también. Español por aquí, parla italiano? Oula, tu fais un mélange d'italien, ça je parle pas. Non? Non, seulement espagnol. Espagnola. Voilà. Je suis gentille, mais je suis un peu impulsive, on va dire. Je m'énerve assez. Impulsive? Ouais, je m'énerve assez vite. C'est-à-dire? J'ai du mal à tempérer, à garder mon calme. S'il y a un truc qui va m'énerver, je vais monter direct. Je vais avoir les joues toutes rouges, je vais m'énerver direct, je vais partir en vrille. Les yeux tout rouges? Non, les joues toutes rouges. Ah, les joues? Les joues toutes rouges, ouais. Donc c'est pas très bien, il faudrait que je travaille là-dessus. Bah écoute, pour faire de la télé-réalité, tu dois rentrer dans l'art. Hein. Ouais, mais bon, il y a des limites. Tu dois être vulgairement une pute. Ouais, tu dois vraiment être une grognasse, quoi. Ouais. Tu dois arriver, tu dois taper dans l'art. Quand tu vois les ch'tarbés d'aujourd'hui... Tu vois sa gueule partout, ouais, c'est un poulailler, tu vois le truc. C'est clair. Donc si t'as pas les défenses, je vais dire, et les griffes pour t'en sortir, tu peux être vite malmené, tu vois. Mm-hmm. Après, faut pas abuser quand même, quoi. Si ça fait que gueuler... Je sais pas si tu me suis un petit peu, tu suis mes réseaux, non, pas du tout. Si, si. Tu suis un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. En gros, ce que tu vois, c'est une façade. Mm-hmm. Ce que tu vois, c'est comme mes lunettes, en gros. Là, je suis le personnage. Ouais. Là, c'est Nico. Ok. Tu vois? Ouais. Là, c'est Nico. Donc tout ce que tu vois dans ma vie, ok, c'est le personnage. Ok. Tout ce que tu vois sur les réseaux, c'est ça. Donc tout ce que tu vois sur les réseaux, c'est éphémère. Quand tu vois famille, tu vois happiness, tu vois des trucs, etc. La moitié, poubelle, pipi chat. Il n'y a pas la moitié qui s'aime là-dedans. Moi, je connais le truc. Okay. Pour même te dire, il y en a qui s'échangent. Enfin, bref. Ah, sympa. Ok. Donc moi, pour te dire, ça fait bientôt... ça va faire, je pense, 3 semaines que je suis séparé de Laura. Là, je suis venu à Paris pour régler justement les détails avec l'avocat, etc. Parce qu'on s'était mariés dans un premier temps. Hein, c'était pour finaliser le divorce. Okay. Et... je suis à Paris donc pour préparer cette prochaine émission. Je suis avec Laura, etc. Et on essaie encore de faire bonne figure sur les réseaux parce que, l'air de rien, il y a un mariage en jeu, il y a du business en jeu, il y a mon enfant en jeu. Donc, j'essaie encore un peu de camoufler le truc, tu vois. Donc, la prochaine émission, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, tu lis quoi là? Le Lord et ses princes. Prince, princesse? Pourquoi ils sont entre eux, parenthèses? Parce qu'il va y avoir 2 catégories. D'accord. Il y aura les princes et il y aura les princesses. Ok. Et à la fin du jeu, idéalement, je dois savoir est-ce que je repars avec un prince ou est-ce que je repars avec une princesse. Comment ça? Parce que ça va être, en fait, le but du truc, ça va être vraiment un show, quoi. Ouais. Ça va être tout le monde avec tout le monde. Ok. Ça va être, il y aura des hommes qui aiment les hommes et il y aura des femmes qui aiment les femmes. Ok. Tu vois le truc? Ok. Le but, en gros, c'est être H24 pour moi. On est au bord de la piscine, j'ai les pieds comme ça, et là je dis, les filles, champagne, bam, il y en a une qui arrive avec une coupe. Ok. Tu vois le truc? Ouais, je vois, ouais. Donc en gros, H24 à ma merci. Ok. Au menu, je suis en train de lire le scénario de l'émission. Puis là, tout le bordel et tout ça, le tournage sera en novembre. Concours de chirurgie esthétique. C'est-à-dire? En fait, chaque jour, il y a une d'entre vous qui pourrait aller faire une intervention chirurgicale.
Donc moi, j'ai déjà testé, j'ai déjà casté des meufs qui viennent se péter la cloison, parce que pour se faire un nouveau nez, il y en a une qui veut mettre du E, du F. Donc après, c'est à vous. S'il y en a une qui veut se refaire, en fait, il y aura une clinique en partenariat avec nous qui offre le truc. D'accord. Donc toi, si tu as déjà refait quelque chose dans l'esthétique, non ? Tu voudrais pas ? T'as peut-être tenté une injection dans les fesses. Ouais, à la limite, ouais. Deux, trois piqûres. Ouais, je sais pas, je n'y ai pas trop pensé. T'as pas pensé ? Non, pas trop, mais bon. Les tétés, un peu plus gros, non ? Non, ça va. Ça va ? Ouais. Plus les fesses ? Ouais, à la limite. Allez, ok, on validera dans les fesses. Il y aura des jobs. Ouais. On a mis les petits plats dans les grands, on est full budget. Donc, il y aura personnage chopeuse. Il y aura mannequin international, donc pour des marques, etc., sur Los Angeles. Assistante de direction, donc pour être vraiment mon assistante, etc. Éboueuse et stripteaseuse. Okay, donc en fait, c'est deux un peu. Bah, les deux derniers, si tu tombes dedans, t'es mal, quoi. Ouais. Tu vois le truc ? Ouais. Après, stripteaseuse, il y en a qui aiment bien. Oui, oui, oui. Stripteaseuse en club, on jette des billets. On se met bien, tu vois. Ouais, ouais. Toi, ça t'intéresse pas ? Non, pas trop. Pas trop. Éboueuse ? Non, non plus. Bah, franchement, c'est le casting qui peut changer ta vie de merde, quoi. Tu vois le truc ? Ok. Parce que tu vas pas te lever tous les matins, ouvrir ta fenêtre à meux, tu vois quoi ? Des vaches. C'est vrai. Voilà. Là, j'ai envie que tu te lèves. Tu t'appelles comment, Amandine ? Ilona. Ilona. Donc, Ilona, j'ai envie que tu te lèves et que tu regardes. Ben voilà, tu sois un cocktail avec moi éventuellement. On sirote, on est à Ibiza, 35 degrés. Et LA, du coup ? Ah ouais, LA, mais Ibiza en vacances, on repart main dans la main. Ah d'accord. Tu vois le truc ? Ouais. Il faut, voilà, que tu sois vraiment prête à tout pour réussir. C'est vraiment le casting qui peut faire de toi une superstar. Ok. Donc, je sais pas si t'as d'autres questions, Amandine ? Non, Ilona, toujours, par contre. Ilona ? Mais non. Ça va. Je pense que t'as été clair. Donc, éventuellement, bah, pour avoir plus de chance, bah, c'est idéalement qu'on se voie peut-être avant le tournage. Tu vois, qu'on aille faire un resto ou deux. Après, tu peux dormir chez moi, j'ai un superbe appart ici. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule, par contre. Je peux être honnête. Je pense que là, t'es en train de peut-être me tester, mais c'est bizarre ta proposition. Pourquoi ? Mais tu me connais pas, je dors chez toi ? Je suis célibataire, je suis open bar, moi. Ah, mais moi, je suis pas open bar. Non ? Non. Merde. Franchement, t'aurais pu être la tête d'affiche du truc. Ah, oui. Mince alors. C'est dommage. Bon, Amandine, on reste en contact. C'est toujours Ilona, mais ok, on reste en contact. Ok ? Ok. Showtime ! Ok, ça marche. Donc voilà. Merci, Amandine. Ilona. Ilo. Ah. Ah, on se fait la bise maintenant ? On se fait la bise. Ok. Gros merci à toi, retourne bien dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans la Seine-et-Marne, mais oui. Seine-et-Marne, ok. Okay. Allez, ciao, ciao, bisous. Ciao. Je vais où ? Pourquoi tu rigoles ? Hein ? C'était une petite caméra cachée. Oh, oui, 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 oui. Non, mais je le sentais. Mais t'étais attentive en plus. Hein. Oui, mais t'étais, bon, bravo. C'est bizarre quand même. Hein. Merci à toi. Bah, de rien. C'est le gros bordel. J'ai des gens à tomber mort. J'ai des profils de merde. T'imagines même pas. La dernière, j'ai une fille, Nord-Pas-de-Calais. Elle arrive, elle me parle de sa vie. J'en ai rien à foutre. Mais rien à foutre. Je te laisse là. J'ai un autre qui a débarqué. Un peu en Antonio Banderas là. Un peu un petit mélange de Jason Derulo. Des rouleaux plutôt. Des rouleaux. Ouais. Allez, je te laisse. Je vais voir un peu ce qu'il a dans son pantalon, lui. Allez, ciao. Comment on va ? Ça va et vous ? Tu me reconnais ? Ouais. Qui ? Nico. Nico ? Le boss en personne. Enchanté. Enchanté. Le boss du RDM, du coup. Le boss du RDM et plein d'autres choses. Super. Tu t'appelles comment ? Léo. Léo. J'ai envie de faire de toi quelqu'un de bien. Quelqu'un de bon. Je pense que t'as du potentiel, tu l'utilises pas assez. Ouais. Tu vois ? Je pense que toi, t'es le style de mec, là, t'es debout, t'es une foule, il y a 5000 personnes, et t'es là comme ça, quoi, torse nu. Ouais. T'es tatoué ? Là, j'ai une petite lune, j'ai un petit cœur sur ici, et là, j'ai une petite note de musique. Faudra que tu te tatoues un peu plus, un peu comme ça, okay. Toi. On t'en met partout, un peu à la Swagman, okay. 69, tu vois ? Vas-y. Tu serais capable de faire sur ta tête et tout ? Non, pas trop la tête, torse plutôt. Torse. 60. Ouais. 69, il a marché parce que c'est le 69. Ouais. Tout
toi, tu pourrais faire quoi? Bah, un autre chiffre. Le 7-7. Le 7-7. 7-7. Le 7-7, et puis on rajoute une petite étoile ou un petit détail. 7-7, parce que c'est une position ouais. aussi. Ouais. Eh ouais, le 7-7. Ouais, très bien. Moi, je vais t'emmener dans quelque chose de vraiment paradisiaque. Ok. Je vais vraiment faire de toi une superstar. Ok, ça marche. Alors là, tu vas plus être le petit Léo à 2 francs 6 sous de Paris, non. Je t'explique le concept. Ok. Donc, casting. Je vais te montrer l'affiche. Ça marche. Bon, ça reste du show. Hein. Moi, je suis avec Laura à travers, mais elle sait que je pars faire cette émission. Ok. Donc, le Lord, c'est Prince et princesse. Donc, tu vois bien qu'il y a prince. Ouais. Pourquoi, à ton avis? Bah, pour qu'il y ait des garçons. Mais pourquoi? Pour qui, les garçons? Bah, ça, je sais pas. Hein. Je me posais la question. Pourquoi il y aura des mecs, à ton avis? Je sais pas. Pour changer? Pour moi. Parce que ça va être une télé-réalité basée sur les deux sexes. Okay. C'est la première télé-réalité en France où on va être mélangé dans une maison comme un boxon. Et ceux qui veulent se culbuter, ils se culbutent. C'est trop bien. C'est le magnifique. Concept, il est incroyable. Bah, le concept, il est incroyable. Vraiment. Un peu comme une Jordi Shore. Trop stylé. Faut du trash. Faut du moins 18. Il fallait ça en France. Fallait ça, on se fait vraiment. Chier. Tu crois que j'en ai pas plein le cul d'aller le reste du monde faire des battles de cuisine et de toilettage pour chien? Je veux du art. Je veux du show. Yeah. Tu vois le truc? J'ai capté. Je veux du show. Ok. Donc en gros, ben c'est que en fait, s'il y a des mecs, les mecs arrivent à me séduire aussi. Ok. Parce qu'il n'y a pas que les filles qui vont faire le taf. Ouais. Le but, c'est que je sois ouvert pour le public en mode « Ah ben Nicolas, il aime bien les hommes, il aime bien les femmes, c'est le meilleur quoi. C'est le Lord, le principe de Lord. 2 minutes pour me séduire, tu fais quoi ?» Je peux être plus près si tu veux. Déjà, je te demande ton prénom. Ouais, Nico. T'as quel âge ? 27. Et toi ? 19. 19. T'es jeune, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien les hommes plus âgés. Ouais. Ouais. Plus d'expérience. Plus d'expérience. T'as très bon regard. Merci. Une belle bouche. Merci, elle est refaite. Refaite ? Ouais. T'as injecté ? Ouais. Super. J'ai injecté le menton aussi. Magnifique. Ouais. T'as des beaux tatouages, hein ? Ah ouais ? Tu peux me montrer... T'as que ça sur les bras ? Ah, j'étais dans des endroits un peu plus athées, mais bon, on va pas montrer tout de suite. Ouais, non, ça serait trop... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, j'ai capté. Non, c'est trop, un peu trop, du coup. C'est un peu trop, mais bon, on aura le temps après. Ok. Quoi d'autre ? Je les montre. Ouais. Ouais. Tu sais danser, tu sais faire des massages, tu sais faire quoi ? Je sais prendre soin des gens, je sais danser un petit peu. Après les massages, je préfère qu'on me masse. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? T'arrives dans un casting, tu veux que je te masse ? Non, vas-y. C'est toi qui dois me masser. Ok, je ferai un effort. Tu dois me masser bas du ventre, bas du dos, haut du dos. Toujours ma petite huile, camomille. Ok. Et puis après, libre à toi. Ok, ça marche. Si tu veux mettre une main, tu mets une main. C'est pas un souci, ça. Okay, tu sais danser ? Un peu. Ça dépend quel type de danse. Bah, je sais pas. Si je te fais comme ça un a cappella, tu sais faire un truc ? Genre. Pushycat ? Don't you wish it, don't you wish it. Fun like me. Ouais, un peu. Like me. Vite fait. Vas-y. Ok, vas-y. Allez. Tu chantes. Don't you wish it, don't you are like me. Don't you wish it, don't you are freak like me, eh, eh. Et la petite souris de... Super. Voilà. T'es bon, j'aime bien ton show. Tu sais faire du sport un peu ? Ah non, pas du tout. À part le sport de chambre, pas de sport. 10 pompes, t'es pas à faire ? Si. Sur un malentendu. 10 pompes ? Ouais, 10 pompes, vite fait. J'ai peur de me casser un ongle. Ah, t'as des faux ongles. Eh, vas-y. Ouais. Hey, hey, hey. Comme si ta vie en dépendait. 3, 4, go. T'arrêtes pas, on va chercher les 20. Hey, c'est bien. Eh bien, c'est J'en ai fait 11. T'en as fait 11, c'est déjà bien. Pour le public. Pour les shows. Est-ce que tu sais chanter? Tu sais chanter? Ouais. J'aimerais bien que tu m'interprètes le tube que tu veux. Donc, je sais pas, on se fait une acapella et moi, je te fais tout ce qui est bruitage. Ok. Allez, vas-y. Je me mets dans le mood. Mais il faut que je trouve un son, là. Bah, le tien. Le mien ? Ouais, le tien, hein. Alors, je t'explique. J'ai fait un son où je termine un peu les mecs qui insultent le jour et qui veulent me voir la nuit. Je te fais le couplet. Parce qu'il y a des mecs qui existent comme ça ? Ah ouais, il y en a ça plus. T'insulte le jour et puis la nuit, ça veut... Ah ouais, ça veut... Forcer les barrages. Forcer les barrages. Tout le temps.
Il n'y a que ça dans mes vraiment des crasses. Ouais. Vas-y, vas-y. Okay, allez, je te laisse. Ça veut faire le mec à traîner à la cité. Gros joint au lèvre, la malade tu connais. Dans mes DM, ça ne faisait que slider. Désolé pour toi, j'étais démasqué. Se voiler la face, ça va deux minutes. Ma souris en face, c'est ton habitude. Jouer le hater, baby, je suis pas dupe. M'envoyer des nudes, chérie, tu l'as voulu. Maintenant fini ce double jeu. Me parler, c'était trop ambitieux. Je ne tolérerai plus, tu peux me dire adieu. Vacances osées, je me sens enfin heureux. Reste avec tes plateau de lunettes quartier. Match bon bleu, torse sur shopping chez LV. Je ressens toi comme une nostalgie. Trop tard, mon gars, moi je t'ai rayé de ma vie. Yeah! Voilà. Yeah! Showtime! Showtime! Super, parce que moi je t'ai fait pour te mettre en difficulté. Et bravo! Caméra cachée! Merci Léo! T'as géré! T'as géré! Merci Léo! Hein. Ouais, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me pètes les couilles, j'en ai marre de toi, tu me casses les pieds. Ici, je suis en tournage, je reçois des t'imagines même pas ce que je reçois, des tocards. Il fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me casses les pieds, de toute façon, tu sais quoi, je vais aller voir ailleurs, hein, je vais prendre tout ce qui bouge, ça va être fini, c'est bon? Parce que c'est tout le temps moi qui allonge, le fric. Et 10 000 là, 15 000 là, j'en ai plein le cul. Tu me coûtes la peau du cul, j'en ai plein le cul. Casse-toi, tu me casses les couilles, ciao. Putain, t'es... Grosse connasse, t'es... Casse les pieds, celle-là. Putain. Dégoûte. Ça va? Ça va et toi? Tranquille? Pas trop tendu? Je suis tendu, je suis Putain. Ah ça. Toutes les mêmes. Ah putain. Ah ouais? Ouais. Toujours, frère. Putain. J'ai plus la joie de vivre. Ça va? Non, j'ai plus la joie de vivre. Elle me l'a enlevé. Faut pas se prendre la tête. Non, après, j'ai plus la joie de vivre. Encore hier, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais près du balcon. Je me dis, putain, je vais le faire, je le fais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas faire ça? J'en peux plus. Mais non. Ça, c'est des trucs, ça vaut pas la peine. Là, tu sais, j'en peux plus. Non. Frérot, c'est pas comme ça que ça se passe. Plus là. Vivable. Mais non. Mais non. Frérot, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est l'histoire, pas. Qui c'est cette personne, mais en tout cas. Y'a pas de. Faut pas agir comme ça. Hein. C'est pas une raison pour. Je vais mettre fin à tout ça. Mais non. C'est soit moi ou soit elle. Mais non. Mais non, c'est pas. C'est moi ou elle, c'est moi ou elle, on est mal. Ça va se passer comme ça, mais non. C'est génial. Mais non, y'a d'autres choses qui valent plus le coup dans la vie. Je sais pas si tu as un enfant, s'il y a quelque chose entre vous, je sais pas. Tu veux pas te permettre, toi, tu as une famille derrière. Tu vas laisser des personnes derrière toi? Non, c'est pas possible. Y a pas de soit elle ou soit toi. Je suis qu'une merde, de toute façon. Je suis avoué. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Je suis une grosse merde. Je connais pas ta vie, frérot, mais en tout cas, tu peux pas. Tu peux pas te laisser dire ça. Non. Toujours pas? Non. Ça va déstabiliser. T'as deux doigts de me mixer, là. Nicolas? Ah, je savais. Ça va chanter. Chanter, mais au début, je me disais, c'est lui, c'est pas lui, attends. Vaut mieux, mon petit. Vaut mieux, mon ami. Je me reconnais pas. Non. Je suis vexé, là. Non. Frérot, je suis quand même une icône dans la télé. Non, ça c'est sûr. Bah, non, mais tu m'as pas reconnu. Non, je t'ai reconnu. Franchement, je pensais que j'avais un air de toi, après, je me disais, je vais pas m'avancer sur les faits. Tu vas te dire, c'est le Lord. Bon, l'émission, c'est ça. L'émission, le Lord et ses princes et ses princesses. Ok. Sympathique. À ton avis, il y a quoi qui cloche là-dedans? Il y a quoi qui cloche? Il y a un prince, normalement, il y a un lord, il y a que des princesses, normalement. Je te dirais. Ça, j'ai pas capté, là. C'est que, voilà. Je suis dans un tournant de ma carrière où. On a fait le tour! Ouais, j'en étais déjà. On a fait le tour. Tu fais le tour? On a ratissé et tout. Ouais. Ah bah. Tu avais ce qu'il y avait à voir, je crois. Voilà, à un moment donné, il faut.
Pourquoi ? Faut peut-être se poser des questions. Ouais. Pour bifurquer. Ah, non. Non. Non, je te crois pas. Comment ça me l'a posé là ? Ah, je te crois pas, frère. Tu sais que dans la télé, tout est monté. Hein. Tout est monté. On a tout des scripts. Ah ouais, bah j'imagine. On a tout des scripts. J'imagine. Moi, quand tu me vois me lever et faire Pierre-Paul Jacques, c'est parce que j'ai envie c'est... de faire. Hein. Ouais, c'est parce que tu dois le faire. C'est pas envisageable. Ouais. Moi, si je peux encaper, si je peux si encaper bébé, ou, si je peux encaper bébé ou paga, ouais. Je préfère sauter ça des filles, toi. Donc, pense que là, je suis une fille, je suis une super bonne meuf. Ouais. C'est qui te fait un peu rêver dans les meufs connues, dans les meufs de télé, dis-moi un nom. Je vais te dire cash d'abord. Un nom qui me vient premier à l'esprit, Margot Robbie. Robbie. Donc moi je suis Margot Robbie. Ok. Je vais essayer de faire DiCaprio quand okay. Donc moi je suis Margot Robbie et je suis là comme ça. Voilà. Très bonne version. Bonsoir madame. Et déjà tu te lèves. Ouais. Voilà. Déjà tu viens. Non, pas comme ça parce que là t'as l'air de. Non. Non, tu viens, assurance. Clac, bonhomme. Tu montes les épaules. Je suis bonsoir. Voilà. Non, tu vas comme ça, on dirait que t'as pris quelque chose. Allez, recommence. Parce que tu te grattes le nez. Allez, recommence. Je suis Margot Robbie. Tu sors de trucs. Je suis comme ça. Hop. Voilà. Hop. Clic-clac. Tu sors de table. Hop. Margot ? Yeah. Bah, tu me réponds ou pas ? Non, t'es trop timide là. Okay. Margot ? Hein ? Margot, it's you ? Oh. In English, c'est mieux. I'm shocking. Allez, refais là dès le début. Tu te mets dans la peau en anglais. En anglais. Parce que là, tu me fais du français et de l'anglais. Ouais, ouais. Je vais faire français au moins, c'est sûr. Non, anglais. English. Okay. Tu sais parler anglais ? Little bit, hein. Allez, little bit, tu me l'as fait. Allez. One time, comme ça. Mets-toi dans la peau. Je suis Margot Robbie, je suis bien. Là, je suis en train de boire un verre. Je suis là, je suis pour toi. Je suis en train de boire un verre d'un coup, je bois mon verre. Ouais, mais là, t'es pas sur le vieux port à Marseille, là. Non, non. Là, t'es dans le haut de gamme. Non, t'arrives, t'y vas. Allez, je suis Margot Robbie. Oh. Hello. How are you? Hello. Oh, Margot Robbie. It's you? It's me. I'm shocking. Non, mais là, non. Je sais pas, je suis pas un kebab là, je suis Margot Robbie. Alors, la refaire. Putain, ça va pas! T'es stressé, t'es tendu! Je suis pas tendu, c'est. Eh non, mais tu me regardes comme un kebab. Oh, Margot Robbie? Tu regardes mon cul? Non, Margot Robbie? Yeah! What a feeling! What the expressions! What you feel! You are so beautiful, so amazing. Tu vois? Ouais, je capte. Tout se passe dans le regard. Ouais, c'est vrai. Pense que t'as mes yeux. Tu vois? Regarde, j'ai les yeux de toutes les couleurs. Tu vois? J'ai le physique pour, je suis beau, je suis playboy. Pense que t'es moi. Voilà, là, t'es plus toi. T'es moi. Ok. Allez, vas-y, je suis Margot Robbie. Margot Robbie? You are amazing. Yes. I know about your films. You are so amazing. You are so beautiful. Yes. What else? Do you want to drink something with me? No. No? No. But we can have some moment with you? No. Just sit down, please. Okay. Ah, là, c'est pas mal, parce qu'elle va peut-être venir vers toi. Mais au moins, t'as l'approche. Il faut, et ça c'est dans la façon de parler. Là, mais tu vois pourquoi ça a été ? Oui. Parce que t'étais moi. Ça y est quoi. On a quelque chose. Avant, quand t'étais toi, ça allait pas. Je sais, mais j'ai peut-être un truc, tu vois. Il faut que je me positionne surtout en fonction de toi, tu vois. C'est vrai, quand tu t'imagines. Mais il y a un petit travail à faire. Non, j'écoute beaucoup de rap. Danser ? Beaucoup. Un petit peu, ouais. Genre, on est en boîte et tout, tu danses comment ? En boîte, en tout cas, frère. Comment ? On est en boîte, tu m'envoies du sang, là. Non. Non, moi, c'est. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Ça danse normal, après ça se rapproche doucement. Tu connais, après ça m'envoie un peu de hip-hop, tu connais. Moi, je peux vite danser. Bon, là, je suis en mode détente, tu vois. Là, c'est en mode détente, comme ça, tu vois. Un peu de R&B, je peux. Et comment tu danses après le hip-hop? Après le hip-hop, il me faut mettre. Tu sais faire la vague? Il me faut mettre un peu de sang. D'entre moi, tu me fais une vague. Oh oui. Après, moi, je te la récupère. Ouais. Et tu mets comme ça avec ta mère. Yeah. Feeling, ouais, la main comme ça, posée. Tu peux même danser tous les deux. Ouais. Mais non, mais je jase pas avec le Lord. Kamakase! Oh, hey! Merci frérot d'être exceptionnel. Ouais, normal, on est là. Tu es exceptionnel. Ouais, tranquille. Magnifique. Merci au frérot. Merci. Caméra cachée exceptionnelle. Hey! Ah!
Bonjour. Bah, bonjour. Je vous laisse t'installer et voilà. Venez. Covid. Covid. D'abord un peu de gel. Merci. C'est bon. On va le faire avant de rentrer. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Enfin, mademoiselle, madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Je m'assois. Ouais, asseyez-vous. Hein, et... C'est le temps que ça sèche. Ouais. Bon, mademoiselle. Mademoiselle, oui, tout à fait. Jessica. Jessica. C'est ça. Ok. Enchanté, Pierrick. Pierrick, enchanté. Donc voilà. Ça va? Oui, très bien. On a l'impression qu'on se connaît, non? Je pense. Bah, moi aussi, mais dans le temps, je pense pas. Tu me connais? Bah, par les réseaux. Ah bon? À la télé et tout ça. Ah bon? Ah oui. Qui? Ouais, c'est Nicolas. Ah ouais? Ah ouais. Bien vu. Bien vu. One point. Le belge. Je suis encore bisbis avec ma femme, donc. Oh. Non, non, elle est bien. Ah, ça se passe plus trop bien. Avec le petit. Ça se passe plus trop bien. Ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas toujours ce que. Bah, si. À l'intérieur, ça se passe, tu vois. Bah, bien sûr. Mais je me... T'as toujours la façade, tu vois. Donc là, devant les gens, je me la joue comme ça. Avec les lunettes. Mais tu vois peut-être pas que derrière mes lunettes, je pleure. On montre. Donc là, je te montre mes lunettes, tu me vois comme ça. Mais après, tu sais pas comment est mon regard. Ah. Il est comment là, mon regard? Ah bah là, je le vois pas. Tu le vois pas? Là, je veux si tu je vois, pas je que vois je suis un petit peu que tu me regardes, mais. Tu vois je sais pas que je suis triste. Tu vois peut-être que je suis souriant, j'ai des belles dents, elles sont bien blanches. Ah oui, ça. Mais si j'enlève. Ah oui, c'est pas la même chose. Je suis moche. Non, faut pas dire ça. Tu me trouves beau? Bah, quand même. Séduisant. Bah, oui. Je pourrais te plaire. Bah, évidemment. Ok. Bah, moi, tu vois, ça me rassure. C'est très important, là. La confiance en soi. Et le mur. Couple peut tout casser. Là, le mur. Là, triste. Mur. Triste. Triste. Mur. Triste. Bon, c'est pas si triste que ça, si. Ah, j'ai pas une gueule triste, peut-être? Mur. Un peu plus triste. Mur. Triste. Ok. Donc voilà, Jocelyne, dis-moi au courant... Jessica. Jocelyne, non pas au courant. Je sens que t'es triste. Bah, non. Un peu. Si tu veux, tu peux pleurer. tu peux y aller, hein, Jess. Ça va aller, j'ai pas envie de pleurer. Mais... Tu vois, des tapes comme ça, typiquement, eh ben, ça fait du bien. Ça te fait pas du bien? Bah écoute... Tu peux me taper aussi? Non, mais je vais pas te taper. Mais non, mais tu peux mettre des tapotes. Des petites tapes. Voilà. Tu peux mettre aussi des petits bisous. On se connaît pas, j'oserais non, pas. Mais je vais pas avoir de problème avec Laura, moi, mon Dieu, après. Non, mais moi, je suis assez parasurancé. Oui, mais ça, c'est... Est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. Ben, pour le concept qui va arriver... Ah, pour le concept qui va arriver. On va devoir se fissurer. Ah. Allez, vas-y, raconte. Donc voilà, Jessica, 37 ans, j'adore faire du sport. Je passe beaucoup de temps à la salle de sport, tous les jours. J'essaie d'y aller. Ouais. J'adore voyager, j'aime beaucoup partir dans le sud. J'aime beaucoup la mer, les bateaux, aller à la plage. J'adore aussi, moi, tout ce qui est... moi, j'adore tout ce qui est paris sportif, casino. J'adore tout ce qui est fake. Genre là, je te vois, ben, je me dis, on peut faire mieux, quoi. On peut faire mieux. Je peux te faire vraiment... Barbie, quoi. Ah oui, bah c'est sûr. Là, moi, je suis pas pomponnée. Hein. Je suis nature. Je vais te montrer l'affiche. D'accord. Faut pas être choqué. Qu'est-ce que tu vas me montrer? J'ai tellement de connards qui m'écrivent, là. Oh, c'est pas sympa. Donc. Il y a ma photo dessus, déjà. Ah non, parce que t'étais pas dans les priorités du casting. Bah t'étais oui. En dessous de la pile. Le lord et ses princesses. Et ses princes, princesses. Mais pas un truc qui te choque? Bah, on dirait que tu cherches l'amour, là. Et c'est prince et princesse. Ben ouais, c'est le principe de l'émission. Ça veut dire qu'on cherche un prince ou une princesse? T'as mis le doigt là où il fallait. Qu'est-ce que c'est ça? Parce mais des princes et des princesses? J'aurai des princes, j'aurai des princesses. J'aurai des sujets. Je descendrai tous les matins comme ça, vêtu de blanc, vraiment comme un lord, quoi, tu vois. Donc, faut me voir après. Ok. Quoi, tu ris? Non. Vas-y, vas-y. Mais y a quoi qui est drôle? Et maintenant, c'est qu'un lord, tu vois, pas torse nu, si. Ah, si. Si. Ça a toujours été des sapés, dès lors. T'as limite de me vexer, là. Mais non, pas du tout. Ok. Donc là, je descends comme ça. Idéalement, nu, tous les matins, vous serez là, donc dans le living et tout. Je descends. Ça te va bien, ça, comme rôle. Voilà. Et vous êtes là comme ça. Ok. Comme si tu t'arraches, tu vois. Il faut t'arracher le... Oui, c'est comme si tu voulais m'arracher. D'accord. Le but, c'est d'arracher la branche de ramier.
Ok. Et moi, je suis là, le king, quoi. Les mecs peuvent mettre des coups, des fois, tu vois, aux gens qui me plaisent pas. Tu vois pas? Ben oui. Franchement, je vais te dire un truc qui va peut-être pas te plaire, oulala. Mais moi, je te vois dans les belles. Ah, ben c'est bien, c'est gentil. Je te vois dans les belles. C'est gentil. Parce que pour moi, t'as quelque chose en toi, et tu dois encore l'exprimer. Et t'as de la classe. Ah, c'est gentil. Lève-toi un peu. Oula. Ah bah oui, hein. Oula. Ça rigole pas. Presque donc, aussi grande que toi. Qu'est-ce qu'on irait bien ensemble. Regarde ça. Et si on fait un, si on fait un slow. Presque aussi grande que toi, quoi. C'est incroyable. Ouais. Comme ça. Très gracieux, j'aime bien. Maintenant, tout de suite. Je suis là comme ça, je suis là. Je viens de passer une nuit avec Eric et Pierrick. Je suis là tout seul le soir. Je suis au bord de la piscine. Et toi, tu me séduis. Donc, qu'est-ce que tu ferais pour me séduire? Au bord de la piscine. Je suis au bord de la piscine, je viens de finir mon croque-madame. Je suis tout doucement en train de boire mon coca bien frais chacal. Et toi, tu arrives, tu fais quoi? Je viens te voir, je te dis, ça va Nico? Qu'est-ce que tu fais? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens de passer ma soirée avec Pierrick et Hugo, et je pense que je fais pas ce que je veux. Je pense que je ne suis pas attiré par ça. Bah écoute, c'est bien de voir que tu avances dans ton... Oh, mais là, c'est un peu nul, là. Mais non, attends. Viens, on la refait. Vas-y. Faut que tu sois vraiment plus entreprenante, faut... Ah, mais faut pas... Tu vois, tu viens de Pierrick et ah Hugo, ouais, tu veux aller dans la douceur. Bah ouais, faut... Ah, ok. Bah ça va, je me laisse attendrir. On va y aller tranquille, je vais pas te sauter dessus. Je me laisse attendrir. Oh là 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 là. Oh, bah avec ça, on risque rien. Bravo. Hein, comme ça, au moins, si tu veux me toucher ou quoi, y a... Bah là, si je te touche... On peut y aller, ça serait un peu gluant. C'est un peu gluant. Allez. Je viens de passer, voilà, Hugo, Pierrick, ça s'est très mal passé. Bah alors, mais c'est que... C'est bien, tu avances un peu dans ta problématique, tu sais un peu mieux vers quoi tu veux aller. C'est pas ce que je veux. Et tu sais ce que tu veux? Je veux une femme. Écoute, c'est bien déjà, tu vois, t'as déjà bien avancé, des femmes, il y en a plusieurs ici. Une femme qui me surprenne. Est-ce que tu as déjà, je sais pas, tu dois, est-ce qu'il y a, il y en a peut-être une qui te plaît toi. Plus. C'est vrai? Bah écoute... Donc là, qu'est-ce que tu ferais pour me séduire? Est-ce que tu me dis des belles paroles? Est-ce que peut-être tu me prends par la main? Est-ce que qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu fais? Je te dis, écoute, Nico, si ça te dit, excuse-moi, j'ose pas te toucher parce que j'ai les mains dégueulasses. C'est un peu comme ma mère qui va me chercher à l'école. Ouais, allez, mon gamin, on va faire les devoirs. Allez, oh, non, mais... En fait, allez, mais sèche-toi. Allez, sèche. Fais comme ça. Je veux pas de maman. Hein. Mais non, je suis pas ta mère. Allez, même si je suis plus vieille que toi, je suis pas ta mère. Allez, vas-y. Bah écoute, ça te dit qu'on. Je pourrais bien un petit. Je passerais bien un petit moment avec toi. Qu'est-ce que. Quel genre de moment? Bah un petit moment là, on pourrait discuter un peu tous les deux. Boire un coca. Ça m'intéresse pas. Et puis discuter. Je veux un moment beaucoup. Moi j'ai envie d'apprendre un peu à te connaître. Ouais. Voilà, voir ce que t'as un peu dans ta tête. On est tous les deux, on est au bord de la piscine, on est bien, regarde, c'est calme. Je veux aller dans la chambre. Direct. Mais tu viens d'Hugo, attends. Je voudrais juste que tu sois certain de ce que t'as envie. C'est toi que je veux. Je veux aller avec toi. Ouais, mais si demain matin tu me dis que c'est plus moi que tu veux, on fait comment? On aura passé un bon moment, c'est sûr. Mais tu as toute la nuit pour moi. Moi j'ai envie que tu avances, j'ai envie que tu sois bien. Tu as toute la nuit pour me satisfaire. Ah, mais carrément, mais je te satisferai sans problème. Mais ce que je veux, c'est que tu vois, c'est qu'on puisse avancer sur du long terme et que. Attends, parce qu'on n'est pas. Enfin, il y en a plein des meufs. Ouais, là, c'est tous des goujats. Moi j'ai envie de construire quelque chose et j'ai envie que tu sois bien et qu'on avance tous les deux et que, ouais. Et que ça se passe bien et qu'on soit heureux, quoi. Tu sais faire les petits déj? Bien sûr. Deux œufs brouillés, bacon, lard. Et lardons de dade avec petit jus d'orange, café et raisin pressé. D'accord, et après on va faire du sport? Bah j'en fais tous les jours. Bah ouais, mais demain matin on fera une séance tous les deux. Tu sais faire quoi au sport? Ah moi je fais du fitness. Tu sais faire quand t'es car? Non, j'arrive plus. J'y arrivais quand j'étais jeune, mais j'y arrive plus maintenant. Est-ce que tu sais danser? Oh, danser, c'est pas trop mon... Tu vois, mais... Bah là t'es un peu tendu comme une crampe. J'ai pas trop le rythme dans la peau. Allez. Mais bon, quand... Voilà, comme ça. Mais je me suis dit, peut-être que, tu vois, c'est peut-être un casting, ou ouais, bah oui. Autre chose derrière, bah peut-être oui. Qui raconte, voilà. Je t'ai pas dit dans ma tête, je suis fou. Les princes et les princesses, je me suis dit, il y a un truc un peu... Il y a un truc bizarre. Non, mais les trucs princes. On le voit bien. Ah oui, là, il est encore plus fou.